Hello! J'espère que vous allez bien. Alors, je m'essaye au live avec Ops. D'habitude, je galère toujours pour les streams, donc j'espère que cette fois, ça ira. N'hésitez pas à me dire dans le chat si ça bug ou des choses comme ça. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas y faire grand-chose. J'ai qu'une connexion internet. Si vous avez des conseils au niveau du stream pour que le débit soit plus fluide ou des choses comme ça, je prends. Mais sinon, voilà. Alors, je vais vous redemander ça. Ah, c'est un peu dommage que ça bug comme ça, vraiment. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Je ne peux plus changer la latence, donc ça va être un peu compliqué. Mais je vais essayer de trouver quelque chose. Ok. Bon, ben voilà, je suis très contente aujourd'hui de faire ce petit live. J'ai donc fait l'acquisition d'une nouvelle caméra, donc comme vous pouvez le voir. Bon, peut-être, si ça bug, j'espère qu'avec le replay, ça fonctionnera bien. C'est toujours un peu compliqué. Je pensais que ça irait avec le débit qui est un peu plus élevé que chez moi maintenant, enfin que mon ancien chez moi. Parce que oui, en fait. Je viens d'emménager dans mon appartement, à moi, le mien. Donc je suis plutôt très très contente de ça. Et j'ai déménagé au Luxembourg en fait, vu que j'ai trouvé un travail là-bas, que je commence demain. Donc voilà, si vous êtes du nord, a priori, il y aura plus de chances de me croiser, le sud un peu moins. Mais du coup, je pense que je ferai quand même des conventions. Après, la distance des conventions dépendra surtout du temps que j'ai, du temps que ça met pour me déplacer et de ce que j'ai à faire là-bas. Parce que c'est vrai que passer toute une journée au final dans un train pour faire le trajet, pour profiter de 2-3 heures sur place, c'est un peu dommage. Donc, si ça vaut vraiment pas le coup plus que ça, malheureusement, je ferai sûrement l'impasse. Mais en tout cas, je vais profiter un max des conventions du coin et du nord. J'ai deux conventions d'ailleurs prévues bientôt. Donc il y a Retromia qui sera à Namur, en Belgique, qui est un peu loin, mais pas trop de chez moi. Et il y aura Game in Reims qui sera dans mon coin d'origine, qui est une première édition. Et là, j'aurai un stand avec Voxwave là-bas. Donc, je ne suis pas encore très bien habituée à parler à la caméra. Bon, avec celle-là, ça va un peu mieux. Mais j'apprends au fur et à mesure. J'espère qu'elle servira beaucoup sur la chaîne. Et voilà. Alors, je vais relire un peu ce que vous m'avez écrit. Je lis ce que vous avez écrit. Ok. Bon, si vous avez des tips justement sur OBS, c'est ça que j'utilise, n'hésitez pas à me le dire. C'est dommage que ça bug quand même pas mal, mais on va faire avec. J'espère que ça vous gâchera pas la diffusion pour autant. Alors, au niveau du travail avec Voxwave, en fait, j'avais déjà commencé à réduire mon implication, on va dire, dans Voxwave, justement pour pouvoir trouver un travail à temps plein à côté. Puisqu'en fait, Voxwave, enfin, je veux dire, je pouvais pas être salarié de l'entreprise, c'est énormément d'argent. À titre d'info, quand vous voulez verser un salaire, il faut au moins payer le double de base avec toutes les charges qu'il y a à verser à l'État. Donc c'était vraiment impossible. Et du coup, j'ai cherché un travail à temps plein à côté et je l'ai trouvé ici au Luxembourg. Et du coup, j'ai hâte. C'est justement l'expérience de Voxwave qui m'a permis d'avoir ce poste. Donc j'appréhende pas mal, mais j'ai aussi super hâte parce que c'est un poste en CDI. Donc déjà, ça, c'est juste incroyable vu l'état actuel
du marché du travail, c'était vraiment compliqué. Et je vais tout faire pour vraiment gérer au boulot et pas avoir de problème, garder mon indépendance. Tout ça, c'est vraiment des choses auxquelles je tiens. Donc voilà, ben, du coup j'avais réduit mon implication, donc ça veut dire que ben en fait c'est Geoffrey qui se récupérait le plus de boulot au fur et à mesure, malheureusement pour lui. Moi j'essaye de faire encore un peu de traitement de documents, donc, par exemple là les rééditions d'artistes. Donc les rééditions en fait c'est les sous en fait qu'on renvoie aux artistes. Mais à part ça, c'est vrai que je limite au maximum tout ça, parce qu'au final, ici, une semaine normale, c'est 40 heures. Donc, autant dire que je ne vais pas avoir beaucoup de temps à côté pour faire des choses. Et VoxWave, ça prenait aussi beaucoup de temps. En fait, juste avant, j'étais en mi-temps, donc ça me laissait de la marge pour VoxWave. Mais là, ça va vraiment être compliqué. Du coup, j'ai dit à Geoffrey, en fait, que je préférais participer sur des contenus créatifs, c'est-à-dire des paroles ou des choses comme ça, plutôt que vraiment la vie de l'entreprise à proprement parler, c'est-à-dire toute la paperasse derrière que vous imaginez pas. Mais voilà. Alors. Aiden, tu fais pas de bêtises. Bon, si la vidéo coupe de temps en temps, c'est dommage parce que enfin, elle est cool cette vidéo, donc ça m'embête un peu qu'elle lague. Mais voilà. Ah, c'est peut-être ça, oui. Effectivement, c'est peut-être la plateforme qui a changé, qui fait bugger. Mais en tout cas, on verra. Du coup, ce que je voulais vous montrer, c'était quand même le test de la caméra. Alors, je vais vous montrer ça. Vous allez voir la différence. Alors, il y a un petit décalage parce que forcément, j'ai recadré la bonne caméra. Mais vous allez voir la différence entre ma caméra intégrée et ma nouvelle caméra que j'aime beaucoup. Voilà. Donc au niveau des couleurs, déjà, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et au moins, quand je vais bouger mon écran, ça ne va pas bouger la caméra en même temps. Je peux régler l'inclinaison. J'en suis vraiment très, très contente. En plus, alors, vous allez me dire, toutes les caméras font ça maintenant, mais moi, j'ai trouvé ça génial. Elle fait l'autofocus. Alors attends, par contre, pour faire l'autofocus, il va me falloir un objet. On va essayer. Attends. Faut qu'il me cache. Bah alors, ça marchait tout à l'heure. Voilà. Et ça, je trouve ça juste super. C'est vraiment, vraiment super agréable. Cette caméra, je vais l'utiliser idéalement pour me filmer pour les covers. Donc, bah, si vous connaissez Myune, que j'apprécie beaucoup, qui est une chanteuse que j'apprécie beaucoup, elle fait ça, elle met une vidéo avec sa tête, avec le reste d'animation de vidéo pour les covers. Et je trouve ça un peu plus vivant et un peu plus personnel, dans le sens où il y a un contexte plus direct, vous voyez directement qui chante. Et je pense que ça crée un lien un peu plus fort. Et donc je vais essayer de faire ça à partir de maintenant pour les covers. Alors la prochaine, je sais pas. Mais en tout cas, les suivantes, ce sera ça. Pardon. Voilà. Donc voilà. Alors. Dans les paramètres de sortie, baisse le débit. Alors, moi je veux bien. On va regarder ça. Paramètres sortie. Ah oui, d'accord. Alors, par contre, j'y connais rien. Donc, il était à 2500. Je le mets à 2000. Si vous avez un chiffre à me conseiller, n'hésitez pas. Je suis encore une grosse noobette au niveau des streams. Bah pour Myune, je peux pas parler pour elle et être mère, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça l'empêche pas de sortir des vidéos et elle a même annoncé dernièrement une collaboration avec Shindel, un duo. Donc je pense que quand on veut trouver du temps, on en trouve et en l'occurrence, elle le trouve. Et tant mieux pour elle parce que c'est vrai que c'est vraiment cool de pouvoir continuer de faire des projets comme ça. Donc bah, je lui souhaite plein de bonheur. Un prof de la fac. Ah, j'ai pas mes lunettes, c'est dommage. On dirait un prof de la fac. Bon. Oui, bonjour, aujourd'hui nous allons. Avec ça fait pas très sérieux quand même. Hein.
Bon, je vais repasser sur. Bon, à la limite, je peux laisser le comparatif pour le moment. Mais non, voilà, avec ça, ça fait pas très sérieux pour un prof de fac, donc bof. Je m'en fous des défauts de ma peau, je l'aime bien ma peau. 1500, ok, je vais remettre sur 1500 pour le débit, comme ça devrait aller un peu mieux, j'espère. Touc. C'est vous qui me dites. Alors, je remonte un peu le chat. Ok. Donc voilà, j'ai réglé aussi quelques trucs pour le live, notamment de la réverb. Comme ça, je pourrais régler la réverb en temps normal et chanter avec un peu de réverb. Ce sera un peu plus joli que la voix brute. Ça habille un peu plus. Donc, si vous voulez, un peu plus tard dans le live, on pourra faire une partie chant, même dans pas trop longtemps. Enlève la webcam. Alors en fait, je vais pas enlever la webcam pour la vidéo parce que de base, c'est censé quand même vous montrer la caméra, donc ce serait un peu con. Mais déjà, je laisse une seule caméra, c'est grave. Je sais pas, peut-être mieux. Je sais pas. La gestuelle et la façon de parler. Bah, écoute, voilà. En plus, déjà de base, je parle beaucoup avec les mains, donc. Mais j'ai un petit côté hôtesse, hein. D'ailleurs, ceci est un indice pour une prochaine sortie de projet. Peut-être que certains d'entre vous ont deviné, peut-être pas. Mais je ne peux rien vous dire pour le moment. Mais du coup, il y a un projet où je fais l'hôtesse bientôt qui sort. Vous allez pouvoir entendre ma voix suave et calme, posée. Oui, tu peux proposer des chansons pour tout à l'heure, il n'y a pas de souci. C'est juste, bah, faut que je les connaisse. Et du coup, j'ai une connaissance limitée des chansons. Mais à part ça. N'hésite pas. Bah tiens, d'ailleurs, je vais voir si je peux pas faire un petit doc pour que vous puissiez mettre les chansons. Je vous fais ça tout de suite. Par contre, ne faites pas le bazar sur la feuille, s'il vous plaît. Ça va être compliqué. Ah oui, il y a le téléphone qui vibre. Je l'avais oublié celui-là. Je ne sais pas où il est. Il est là-bas. Tout va bien. J'espère que ça vous embête pas, vous. J'entends pas en fait le live, donc vraiment, s'il y a des problèmes d'égalisation de son, de volume, n'hésitez pas à me le dire et puis je peux corriger ça tout de suite. Alors, toutoulou. Alors, ben justement, le sprite mask, je l'avais mis à côté de moi pour le montrer au live. Donc effectivement, ce matin, en plus de ma caméra, j'ai reçu un cadeau de Shiro Ige, donc qui est dans le chat. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est joli comme tout. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros en fait. Ça m'a un peu surprise quand j'ai sorti le truc en perles de l'enveloppe. Mais c'est super cool. Et où je pense le mettre? Je pense le mettre à côté, s'il tient avec un peu de pâte à fixe, à côté des feuilles. J'ai mis les feuilles NTNT sur le côté avec les messages de tout le monde. Donc je pense le mettre juste en dessous, sur ma porte d'armoire. Et ben, j'espère qu'il tiendra parce qu'il est vraiment cool. Et puis sinon, je le mettrai contre un mur posé. Voilà. Mais il est vraiment, vraiment super. Ah oui, et la question, est-ce que je suis plus parolière, musicienne ou est-ce que je préfère juste le chant? Moi, je suis plus chanteuse que parolière de base. L'écriture des paroles, c'est venu après. Disons qu'à chaque fois que je dois écrire des paroles, je vois ça comme un challenge. C'est un exercice avec lequel je suis pas du tout à l'aise, mais je me dis que plus je le fais, plus je vais m'améliorer et du coup, c'est cool. Et puis voilà. Donc du coup, ben, je fais un peu les deux, mais c'est vrai que je préfère chanter. Ça me demande beaucoup moins d'efforts que d'écrire des paroles.
ASMR, bah oui, bah tout à l'heure j'ai fait un test sur le micro voir s'il captait, j'ai fait des trucs comme ça. À toucher la mousse autour du micro, c'était plutôt drôle. J'espère qu'on n'entendra pas trop de bordel autour. En fait, je suis plutôt au calme. Mais c'est vrai que des fois, il y a des animaux, il y a des avions et il y a des trains. Donc, si vous entendez un truc passer, c'est normal. Chérie, ma. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais de beau d'autre? Bah, je vais en profiter. Bah, déjà, bienvenue aux nouveaux arrivants. Et je vais profiter aussi pour vous montrer. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi mes dernières actualités, donc avec l'album Polymorphose, donc le fond en fait de ce live, c'est l'illustration du CD qui a été fait par Saphiria. Donc, le CD, je l'ai mis en fait en ligne sur Deezer et Spotify. Donc, vous pouvez en fait retrouver l'album en écoute libre sur Spotify directement. Alors, je vous conseille plutôt le client pour Windows plutôt que l'appli sur Android parce que l'appli est vraiment beaucoup plus limitée. Alors que le client, vous pouvez vraiment changer les chansons directement et vous avez juste une petite pub de temps en temps, mais c'est pas gênant. Donc, vous pouvez tout écouter gratuitement. Et en fait, ce qui est bien, c'est que plus vous écoutez, plus ça me rémunère dans le sens où c'est vraiment bien foutu. Ça vous laisse l'écouter gratuitement et vos écoutes bah, génèrent un peu de sous derrière. Donc ça, c'est plutôt cool. Et vous pouvez donc retrouver en fait sur Spotify ma page artiste dédiée. Donc je vais vous la redonner là tout de suite. J'arrive bientôt. Donc en fait, vous avez... Hop là. Vous avez en fait un lien. Parce qu'avant, en fait, j'étais mélangée avec un autre TBK. C'était bizarre parce que je ne sais pas trop ce que c'était. Mais du coup, là, j'ai vraiment reséparé la page artiste. Donc, vous pouvez directement vous abonner en fait à la page artiste si vous voulez. Et comme ça, ben, enfin, je suppose que dès que je sortirai une nouvelle musique sur Spotify, vous l'aurez dans vos propositions ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, vous avez accès à tout l'album. Au niveau après du reste, alors attendez que je fasse ça bien. Touk touk touk. Au niveau du reste, me voilà bientôt. Pouf. Au niveau du reste, donc vous avez sinon mon Bandcamp. Je vais vous remettre le lien aussi. En fait, donc sur Bandcamp, j'ai mis, il y a la version digitale de l'album que vous pouvez acheter. Il y a la version édition limitée Digipack. Alors, j'ai oublié de la sortir là pour vous montrer, mais non, elle est un peu loin, donc ça va être compliqué. Mais en gros, c'est un coffret en fait en carton qui a trois pages. Vous avez le livret dedans avec toutes les paroles, il fait 16 pages et voilà, il est joli, il est en fait, vous savez, les boîtiers normaux d'habitude c'est quelque chose comme ça, oups, en plastique et du coup le Digipack en fait c'est tout en carton, c'est quelque chose de plus prestigieux et bah, du coup je l'ai fait en édition limitée en 300 exemplaires, enfin plus exactement 280 et il m'en reste 7. Donc, si vous le voulez, n'hésitez pas à aller sur le Bandcamp avant qu'il n'y en ait plus parce que j'en réimprimerai pas. Et par contre, je viens de commander, presque, j'ai presque fini la commande, justement, les versions cristal de l'album. Donc, vous pouvez aussi les commander sur Bandcamp si vous voulez. Ça, par contre, les versions ne sont pas limitées. Enfin, bon, il faut déjà que je les écoule. Mais si je les écoule, j'en réimprimerai sous cette forme-là. Mais en tout cas, l'édition Digipack, elle est vraiment, vraiment limitée dans le temps. Donc voilà, n'hésitez pas non plus. Alors, j'ai vu qu'on m'avait posé des questions.
Bonjour Pierre. Le Discord, c'est quoi que vous voulez? Ah, le Discord NTNT, ok. Je vous donne ça tout de suite. Hop. Hop là. Oui, Crystal, c'est une version physique. Je vous montre ça tout de suite. Alors, serveur NTNT. Hop. J'espère que je ne me suis pas trompée par contre. A priori, non. Je vais la remettre. Hop. Voilà. Bah, contente qu'il plaise en tout cas. Donc, oui, donc l'album, je vais remettre en un peu plus gros. C'est. Pourquoi il y a Firefox? Non, c'est pas ça que je voulais. Pouf. Le boîtier cristal, en fait, c'est ça. C'est cette forme-là. Donc, c'est vraiment le boîtier en plastique avec le CD et le livret. Donc, ça, c'est l'album d'Alice parce que j'ai pas encore les versions cristal de Polymorphose. Mais du coup, c'est ça. Bon, puisque vous y tenez, je reviens tout de suite. Je vais voir si je peux prendre un CD et vous le montrer. Comme ça, ce sera un peu plus facile. En attendant, je vous mets un peu de Spotify. Je vais baisser un chouïa Spotify parce que je ne sais pas si ça passe. Oh, sinon je fais comme ça. Donc en fait, le Digipack, c'est une édition comme ça. Donc vous avez sur celui-là trois volets. Et du coup, ben, dans là vous avez le CD. Là il y a une place pour les dédicaces éventuellement si vous voulez. Et là il y a le livret. Donc c'est ça en fait un digipack, c'est un boîtier carton en fait. Mais un boîtier carton qui s'ouvre. Ah, le livret avec notamment les noms des gens qui ont participé au Ulu. Donc la chanson que vous entendez là, c'est Anomalia, c'est la dernière que j'ai faite avec Crest. Donc elle n'est pas encore sur ma chaîne YouTube, justement je l'avais gardée pour l'album. Et pareil, j'ai écrit les paroles et j'ai chanté en fait sur le thème donné. Donc c'était encore plutôt sympa comme expérience. Là, pour le prochain CD qu'ils ont sorti ou sortent, je ne sais plus au niveau des dates, je participe pas au prochain parce que du coup j'avais Polymorphose et il fallait que je bosse dessus. Mais par contre, je reviendrai après par la suite là-dessus. Je sais pas si la musique ça vous plaisait en fond. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je remette quelque chose. Les CD, tous les CD, ils sont à 15 euros. L'édition Digipack, elle est aussi à 15 euros, elle n'est pas plus chère. C'est pour ça, si vous la voulez, n'hésitez pas avant qu'il y ait rupture, parce qu'après, ça va être compliqué. Mais sinon, c'est 15 euros l'album en physique et 10 euros en digital.
Après, sur Bandcamp, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez acheter aussi les musiques à l'unité, si vous aimez bien certaines musiques et pas d'autres. Et puis voilà. L'AJT, c'est quoi l'AJT? JTF, Japan Tour Festival, ou c'est quoi l'AJT? Et merci beaucoup pour le Digipack. La musique, c'était sympa. Alors, le problème, c'est que j'en ai pas tant que ça des musiques. Alors, je vais essayer de mettre des trucs que j'aime bien en fond. Va falloir me dire si c'est trop fort, par contre. Sinon, ça va être compliqué. Vous préférez des musiques épiques ou vous préférez des musiques un peu plus électro? En fait, je vous demande pas, je mets du One Ok Rock. Voilà. Japan Touch. Malheureusement, non, parce que Japan Touch, c'est un peu loin pour moi. Et si j'y chante pas, a priori, c'est un peu. Bah, c'est un peu dommage de déjà payer le train, passer ma vie dans le train pour y aller, pas trop profiter du truc sur place et repartir aussitôt. C'est un peu. Non. Je pense pas y aller. À moins que je sois invitée, mais. Parce qu'en fait, c'est ça, quand je me déplace en fait pour. En fait, ça me perturbe parce que la musique pour moi elle est plus forte, je crois que pour vous elle est moins forte, mais. Voilà. Donc en fait, le train et les déplacements, ça a vraiment un coût. Et si je peux pas amortir ce coût-là en me déplaçant sur un salon, je vais pas y aller a priori. C'est vraiment mieux si je peux amortir les coûts et que ça me coûte rien, parce que le but c'est pas que je me ruine, surtout que dans cette nouvelle vie, je vais avoir besoin de mes sous. Donc voilà. Et One Ok Rock, ouais, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a un concert, enfin il y a un tour en Europe. Donc moi je suis en train de voir, j'ai mon chéri qui va me prendre demain les places parce que je serai au travail. Donc j'ai envie d'avoir ma place pour aller voir celui de Munich. Parce qu'a priori c'est le plus proche qui se passe un samedi. Mais je suis assez curieuse de les voir en live. Pour ce que j'ai vu de vidéos de live et ce que j'ai entendu, c'est vraiment magnifique, donc j'ai hâte de voir ça. Bah du coup, je viens de répondre, non, j'irai pas à Paris parce que Paris, c'est un vendredi et je travaille. Ça aurait été un samedi, je serais venue à Paris, mais là, c'est vraiment compliqué. C'est gentil, Aidan, pour Lyon. Mais ouais, bah déjà, la ligne. En fait, c'est un peu compliqué en partant de Luxembourg pour les trains, parce que souvent, ça fait soit Luxembourg-Metz, soit Luxembourg-Paris, et après, de Paris, tu reprends un train pour Lyon, je sais pas où. Mais bon, c'est surtout le temps que ça prend et le prix que ça coûte qui me gêne le plus. Parce que. Ouais. Enfin voilà. Donc voilà. Sinon, quoi d'autre? J'espère que par contre le live sera pas bloqué parce que j'ai mis du One Ok Rock en fond, ce serait con. Est-ce que vous voulez qu'on passe sur la partie chant éventuellement? Je peux vous chanter des trucs. Ah oui, il faut que je vous fasse la petite feuille de suggestion. Voilà, donc je vais avoir besoin que vous me remplissiez cette petite feuille pour que je sache les chansons que vous voudriez que je chante éventuellement. Voilà. Obtenir les liens de partage. Modifier. Et voilà. J'écoute pas vraiment de musique d'idols. J'ai écouté un peu de. Comment ça s'appelle déjà? J'ai un trou. Les filles Kitsune avec les. Baby Metal, voilà. J'écoutais un peu de ça, mais sinon j'écoute pas vraiment d'idols.
Alors, je vous laisse mettre les propositions, si vous voulez, dans le document. Et puis moi, je vais regarder après ce qu'il y a. Comment ça, vous n'avez pas accès? Mais si, je vois plein de gens dessus. Ça, c'est... j'ai acheté en fait l'album Ambition de One Ok Rock et comment... Il est vraiment, vraiment super bien comme album. J'ai vu des gens râler en mode « c'est plus comme avant » tout ça. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps One Ok Rock, donc je comprenais pas parce que le dernier album, il est juste génial. Donc, j'étais un peu en mode « qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas ?» Surtout que les paroles me parlent vraiment beaucoup. Ça m'a même perturbée. Et... Non, voilà. C'est pas des chansons que je chante facilement, les chansons d'Alice, en général. Donc... un peu... Non, mais Sia, non. C'est un peu... Enfin, je me perds dans mes explications. J'attends tranquillement vos propositions de chansons, si vous voulez. Oui, je fais ça en plein jeudi après-midi, donc je me doute qu'il n'y aura pas grand monde, mais bon, on verra bien. Je peux essayer de les chanter, mais je ne garantis pas que ce soit très, très joli, dans le sens où, en fait, les chansons, elles sont écrites pour Alice, de base, donc on s'en fout un peu de mon rang vocal. Moi, j'écris juste les paroles. Sous cette pluie, je l'ai fait en live sur la version de Smash, mais... C'est... Enfin, après je peux essayer, mais c'est vraiment... L'interprétation elle est un peu bizarre. Déjà pour l'album, j'ai vraiment galéré à l'enregistrer par exemple. Ah, mais je vais aussi essayer de pas chanter trop fort, donc éviter de me demander des trucs comme Jitter Doll ou Faut Hurler, surtout que celle-là j'avais vraiment galéré à la faire. C'est du métal ou du rock? De quoi donc? Alors, je vais... Attends, parce que... Attends, faut que je réécoute la chanson de Van Afraso. Parce que je connais les musiques, mais les titres, je sais plus. Alors, on va réécouter celle-là. Ah! Elle est pas facile celle-là. Après, si vous voulez du One Ok Rock, je peux essayer de chanter autre chose. Alors. Genre Mighty Long Fall. Non, c'est quoi? C'est laquelle que j'avais? Bon, attendez, on va chercher. Ok, je veux bien essayer The Beginning, mais je promets rien parce que autant j'aime bien à fond les écouter dans la voiture, autant je suis pas sûre de savoir les chanter vraiment comme ça. Mais je vais voir si je connais pas une autre mieux parce qu'il y a Mighty Long Fall que je connais bien. Et c'était quoi l'autre? Ça. Tac. La main, c'est laquelle? Je sais plus.
assez. Comment ça s'appelle? Merde, j'ai oublié. Ouvrière aussi, elle est cool. C'est laquelle qui commence par Here comes the rain? Un truc comme ça, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié la chanson. Attendez, aidez-moi. En plus, je l'ai. Attends, je vais voir si c'est celle-là, mais je pense pas. Voilà, comme je vous dis, je retiens pas les. Ah, c'est Fight the Night, je crois. C'est laquelle, celle-là? Bon, du coup, je vais activer le reverb. S'il y en a trop, vous me le dites. Hein. Touk touk. Alors. Je vais la faire très doucement, je vous préviens, je ne vais pas crier aujourd'hui dans le live. Et si je me trompe, bah je me trompe, tant pis. Hein, je les connais pas encore bien. When we met, the pain stood still. It was us. Then suddenly, it's where do you go? The system blew. I knew this side of me. I want a little more, but inside it seems I'm just a little boy, nothing else. Don't go, it's a mighty long fall when you thought love was a top. Oh no, it's a wake up call when your life went into shock. It seems like gravity keeps pulling us back down. Don't go, it's a mighty long fall when you know time is up. Mm-hmm. So, hitotsu, ai wo, futatsu. それでなんとかやり過ごしてきたでしょう。C'est là, j'avoue pas cette partie. でもそれじゃもう僕はどうだすないでしょう。じゃどうするどうしよう。Don't go, it's a mighty long fall when you thought love was a top. Oh no, it's a wake up call when your life went into shock.描きたがりな未来に明日はない。はない。いっそどうせ痛むなら見た目続けよう続けよう Get up, get up, get up, get up. Time to make amends for what you did. Get up, get up, get up, get up. Running with the demons in your head. Let's shut it out completely. You never really wanna know. Let's shout it out, we're screaming. Oh, oh, oh. Don't go, it's a mighty long fall when you thought love was a top. Oh no, it's a wake up call when your life went into shock. It seems like gravity keeps pulling us back down. Don't go, it's a mighty long fall when you know time is up, time is up. Je vais essayer de faire Mighty Long Fall en cover, mais bon, faut que je trouve un endroit où ça réverbère pas trop. Alors, du coup, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça, c'est la chanson qui raconte ma relation actuelle.
Some nights we fight, we scream, we don't know what to do. But I guess it's just the simple things that people they go through. But another night I glimpse, I see the real ones, that's you. And I know that nothing will stop me from standing high, care. I'm always coming back to you. You've got me till the end. I'm always coming back to you. You keep pulling me in. I'm always coming back. Oh, whoa, time goes by, yeah. Whoa, whoa, time goes by. Se wo mukereba, mukeru hodo toshiku. Mukiau hodo hana, anarete iso de. Katachi no nai futashika na. J'ai du mal avec le japonais sur les chansons de Wanoke Rock. Mono sagasu, and I know that nothing can stop me from standing. I care, I'm always coming back to you. You've got me till the end. I'm always coming back to you. You keep pulling me in. I'm always coming back. Oh, oh, time goes by, yeah. Whoa, whoa, time goes by. Whoa. Ashita, attends, je vais essayer là. Ashita mo shim kimi ga soko inakute mo kowaku nai te ieru kuru. Ah, c'est trop chiant quand je sais pas comment placer le japonais. Tsuyoku naru yo. I gotta find a way and place to keep you here with me. Some night we fight, we scream, we don't know what to do. But I guess it's just the simple things that people they go through. Whoa. Whoa, time goes by, yeah. Whoa, whoa, time goes by. Time, time goes by. Time, time goes by. Some nights we fight, we scream, we don't know what to do. But I guess it's just the normal things that people they go through. Alors attendez, je lis ce que vous racontez. Merci beaucoup. Alors, du Alice. Du Alice, ça y est, je sais ce que je vais chanter en fait. Faut que je reprenne la bonne hauteur par contre, sinon je vais me rater. Donc je vais mettre la vidéo de Smash. Mais non, c'est pas celle-là la vidéo que je veux. Attendez un petit peu. Je vais aller rechercher la moins 2. Bon, au pire, si c'est trop haut, je redescendrai et puis c'est tout. Hein. On va pas s'embêter. Alors.
aux belles fleurs. Comme toutes les nuits, le ciel se teint d'un voile de glace. Une bruit maudite où tout s'efface, encore et encore. D'un pas déjà trop lourd, j'ai côtoyé la mort. Tout autour de ce chaos né d'une pomme bien trop rongée, dont d'un jardin où les portes se sont fermées. Oh, ne crains rien, toi belle fleur. D'un nouvel âge, d'une autre chance, repousse au loin de toi toutes nos erreurs. Même si la fin enchaînera vos cœurs, libère-toi puis guide-les de tes pas, car toi seul comprendras, toi seul sauras pourquoi le monde se meurt. Ne pleure pas, n'oublie pas, pour toujours crois en toi. Oh, je t'en prie, crie l'heure d'empêcher la folie qui rongera l'âme d'Éden. Ne te retourne pas et pardonne-moi. Mon seul regret restera de ne pas pouvoir te dire je t'aime. Oh, belle fleur, comme toutes les nuits, mes cauchemars me tourmentent encore. Une vision d'un monde autrefois, si beau, si fort. Une envoûtante et irrésistible pomme, qui fatalement devient la proie des hommes, bien trop cupides, illuminés par des idéaux insipides. Mais ne crains rien, toi belle fleur. D'un nouvel âge, d'une nouvelle ère, exempte de cette rage qui brûle leur cœur. Même si vos esprits s'enlisent de peur, libère-toi puis guide-les de tes pas. Car nul ne survivra, car nul ne verra que le monde se meurt. Ne pleure pas, n'oublie pas sans cesse qu'ils croient en toi. Oh, je t'en prie, crie l'heure d'empêcher la folie qui rongera l'âme d'Éden. Ne te retourne pas et pardonne-moi. Mon seul regret restera de ne pas pouvoir te dire je t'aime. Je fais pas la fin, j'ai la flemme. Le problème, c'est que si je mets l'instrumental en fond, il risque d'y avoir un délai en fait entre le micro et l'instru, et du coup, ça va sonner à côté. Je peux essayer vite fait sur un truc, mais à mon avis, ça va faire ça. Si ça le fait pas, ben tant mieux, mais. C'est quoi que je voulais? Pour raison, on est un peu dur à chanter, non? On va essayer. Alors, je vais peut-être la mettre sur Spotify par contre, ce sera plus simple. On va essayer sur Oxygène. Un pied au sol est déjà la folie d'une ville qui peut m'étouffer. La terreur ne me laisse aucun répit et mes mains commencent à trembler. Effrayé par mon ignorance,
L'avancée se fait doucement. Et comme seule preuve de mon existence, il ne me reste que le chant. Oh, 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 moi l'oxygène pour vivre ici-bas. Alors, est-ce que c'est décalé ou pas? Ah ben voilà. C'est pour ça. Avec le délai du micro, c'est compliqué. J'ai voulu, mais... En fait, pour qu'il n'y ait pas de délai, je pense qu'il faudrait que je fasse passer du haut-parleur au micro. Sauf que là, ben, il mettrait tout en reverb, donc enfin, c'est un peu le bazar. Du coup, je ne sais pas exactement ce que je peux faire pour, pareil, réduire le délai du micro. Parce que ça, je pense que c'est au niveau de la carte son. Donc, à mon avis, ça va être compliqué. Donc, la proposition. Alors, attends, bah, du coup, A Cruel Angel Thesis, ça me plaît bien, on va tester ça. Alors, attendez deux secondes, je vais repasser là-dessus le temps de regarder quelque chose. La musique que je viens de chanter, c'était Oxygène, oui. Et bah, du coup, c'est moi qui ai fait les paroles et elle est sur, effectivement, Émancipation d'Alice. Donc, on passe là-dessus. Et on a dit A Cruel Angel Thesis. J'ai installé Virtual Audio Cable, mais comme je ne sais pas l'utiliser, il va falloir m'expliquer pour une prochaine fois. Un mondaliste, alors je peux essayer de chanter un mondaliste, mais ça va faire bizarre sans musique, non? En plus, c'est dur à prononcer comme c'est calé un peu bizarrement. La vie, c'est une chose extrêmement bizarre, rien ne se passe comme prévu. De temps en temps, elle ressemble à un cauchemar. Attends, c'est dur à caler, hein? Et tout ce que les autres me disent, c'est... Attends. Ah, en fait, je sais pas la chanter, je connais le rythme, mais j'arrive pas à caler les paroles. Puis continue. On bosse toute la vie pour gagner de l'argent, qu'on dépense dans des trucs stupides. Mais la richesse est bien moins importante que le bonheur, l'amour et les amis. C'est un mondaliste qui t'appelle, un nouveau son qui t'ensorcelle. Dans son... Attends, parce que... Hey, j'adore cette chanson, mais je la connais pas. Dans son ensemble, sans aucun soin, oubliez vos soucis et que tout le monde...
tout le monde frappe dans ses mains. C'est dur, hein, parce que le français, il est calé bizarrement sur la mélodie. Bon, en fait, voilà. J'ai fait un bout, mais je vais pas pouvoir faire plus, parce que... Mais c'est comme ça dans les paroles pathosseux. D'ailleurs, c'est quoi le mot en anglais? Parce que je savais même pas que c'était un mot anglais. Moi, je prends juste les paroles et je les chante, hein. Pourquoi tu... You want me to speak in English, to talk in English? Because I have to practice my English, so... Yeah, help me. Voilà. Il y avait quoi? Donc ça, c'est bon, c'est fait. Cruel Angel, did this. Pouf. Je connais pas Unlucky Morpheus. Aimé, je connais pas toutes les chansons d'Aimé. Sia, tu arrêtes tes bêtises. Aidan, c'est quoi ces trucs? Ok, bon, je crois que je vais improviser sur les musiques. Histoire millénaire, je vous avoue que là, tout de suite, j'ai pas trop envie de la chanter. C'est celle que je chante à chaque fois, donc à force, on verra. Je vais refaire... Je vais réessayer de chanter des chansons de One Ok Rock. Même si je les connais pas, on verra. Just give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here in my arms. As a rose falls upon roses, all we can do is hold on, hold on. Je peux pas crier. Take my hand and bring me back. I risk. Bon, je vais chanter de tonalité, c'est pas grave. I risk everything if it's for you. I whisper into the night, telling me it's not my time and don't give up. I've never stood up before this time. The more you say, the more no. Je sais plus. So we stand up, stand up. Just gonna keep on running, wake up, wake up. Just tell me how I can never give up. Just tell me why, baby. They might call me crazy for saying I'd fight until there's no more. Je prends des tonalités au pif, c'est pas grave. Le japonais, par contre... En plus, je les écoute en japonais, les chansons de One Ok Rock. Enfin, j'écoute les versions japonaises et... J'arrive pas à assimiler le japonais. Voilà. Bon, j'ai fait au moins un bout comme ça. Voilà. Je vous lis. Jitter Doll, elle est vraiment trop dure pour que je la fasse en live comme ça. Moi, je t'avoue que aimer, je prononce ça aimer. Je sais pas si ça se prononce autrement. Celle-là, non. Hop. Je vais essayer celle-là, mais sans conviction. On va essayer. Here you come. The rain, so many scars never fade. This is the price of war, and we've paid with time. We'll fight, fight till there's nothing left to say. Whatever it takes, fight, fight till your fears, they go away. The light is gone, and we know.
Je la connais pas bien. Once more, we'll fight, fight till we see another day. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire dans cette chanson. Dear you, je peux essayer. Attends, parce que c'est quelle version? Bon, je vais mettre Igorashi. C'est celle-là, hein? C'est de celle-là que vous parlez, celle d'Igorashi. Attends, j'ai un doute, c'était quoi? 私は胸の傷あなたに告げずにただ迫る痛みにひざまずく一つの心二人で抱きしめて会いた私とあなたは一つだった二人二人が一人Je sais plus. Hein. Celle-là, elle, ça fait longtemps que je l'ai écoutée. Bon, à la limite, je vais la mettre, quoi. Est-ce qu'il y a la vidéo? Non? Non. Je vais essayer de chanter par-dessus YouTube comme ça. Kokoro futari te dakishimete itta watashi to anata wa itotsu datta futari ga itoto ni ninatte te ni ireta mono. Non, c'est pas possible. Ça fait partie de ces chansons qu'il faut connaître avant. Le but des lives, c'est pas de chanter que les chansons que j'ai déjà chantées, enregistrées et mises sur YouTube. Je vais chanter celle-là, mais je vais faire des trous parce qu'il y a des trucs que je sais pas. Je connais pas Shun Kwan Kwan, je sais pas quoi, The Emperor. Et je parle pas chinois. C'est pas ça que je voulais. C'est ça. They think that we're no one, we're nothing, not sorry. They push us, it's too late, not going back. Ah. 夢は終わり、目を覚ます時絶望や希望も同時に目を覚ました鏡にずっと僕が il bouffe tellement les mots 僕がかける自分をごまかし生きることに終わるか When you're standing on the edge So young and hopelessGot demons in your head we are No ground beneath your feet Not here to hold you Cause we are The colors in the dark J'essaie de... Enfin, je me retiens un peu de chanter fort. J'essaie de le chanter fort quand même, mais j'ai pas envie que le proprio il vienne me chercher. ひどく痛む鼓動は早く遠のく景色をこの手で掴もうとした They are the weakest, the
don't even know anything they say will never break our hearts of gold. When you're standing on the edge, so young and hopeless, got demons in your head, we are no crown beneath your feet, not here to hold you, 'cause we are the colors in the dark. Never tell yourself you should be someone else. Stand up tall and say, I'm not afraid, I'm not afraid. Stand up. Never tell yourself you should be someone else. Stand up tall and say, I'm not afraid. When you're standing on the edge, so young and hopeless, got demons in your head, we are no ground beneath your feet, not here to hold you, 'cause we are the colors in the dark. Alors, je peux essayer de chanter Zenbon Zakura, oui. Papa. Merci beaucoup. J'aurais dû prendre de l'eau. Elle est où mon eau? Enfin, mais... Daitan futeki ni haikara kakume ira 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 kuraku ansen koka. 日の丸印の二輪車ゴロが主役よ退散ないし BM 感情線を走り抜けて東音清浄全国無双浮世の間に間に全本桜夜に紛れ君の声も届かないよここは宴鋼の堀その弾頭台で見下ろして三千世界常世の闇嘆く歌も 聞こえないよ。セイランの空、遥か彼方、その光線銃で撃ち抜いて。約千連魔の見た目は証拠を言ったり来たりのオイランド種。あいつもこいつもみんなで集まりステイジャーの行進。ワン、ツー、サン、シー。 C'est ça de pas s'échauffer. ゼンボンザクラ夜に紛れ君の声も届かないよここは宴鋼の檻その弾頭台で見下ろして三千世界常世の闇嘆く歌も聞こえないよ希望の歌遥か彼方その閃光弾を打ち上げろ 感情線を走り抜けて
と音声そうなのその少年少女全角無双浮世の間に間に千本桜夜に紛れ君の声も届かないよここは宴鋼の堀その断頭台を飛び降りて千本桜夜に紛れ君が歌い僕は踊るここは宴鋼の堀さあ光線銃を撃ちまくれ Pour me voir en convention, pour l'instant, j'ai pas de concert de prévu, mais si vous voulez, je vais vous mettre ça dans le chat. J'ai mon site en fait, et il y a le calendrier dessus. Attendez, je vous sors ça. Hop. Comme ça, vous pourrez retrouver les événements où je me déplace. Et pour l'instant, c'est que des déplacements en exposant, mais je fais pas de concerts. Mais si je fais des concerts, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter. Ça fait longtemps que j'en ai pas envoyé, mais j'envoie quand je fais un concert ou quelque chose comme ça, ou qu'une cover va sortir, j'envoie des mails. Et c'est plus simple que de devoir spammer les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous abonner et puis vous recevrez ça directement dans votre boîte mail si je participe à un nouvel événement ou des choses comme ça. Twitter, après, sinon, c'est le plus immédiat. Enfin, c'est là que je raconte un peu ma vie. Donc, s'il y a un nouveau truc, vous le saurez là-bas. Et puis, voilà. Depuis combien de temps je chante où j'ai commencé vraiment à en faire une activité depuis la 6e. Donc, en fait, là, j'ai 24 ans. 24 ans et demi. Donc, depuis la 6e où j'ai rejoint le club de chorale, en fait. Où là, j'ai vraiment commencé à avoir une activité de chant. Puis, sinon, j'ai toujours bien aimé chanter, donc... Le problème de Zenbon Zakura, c'est que c'est une chanson nationaliste, donc quand on s'attarde un peu sur les paroles, en fait, c'est pas très bien. Mais la chanson est très très catchy, ça je vous l'accorde, et c'est toujours un plaisir de la chanter. Mais au niveau du texte, c'est du nationalisme japonais, et c'est pas forcément une bonne chose. Je serai, sous réserve de mon travail, je serai à Japan Expo 2018. J'ai envie d'y aller chaque année. J'essaierai de poser des congés si je peux pour venir tout le week, enfin, tous les jours. Mais sinon, je serai là probablement le samedi, dimanche, entre les deux, le temps d'arriver et de repartir. Dans le pire des cas, je pense, mais Japan Expo, c'est vraiment mon rendez-vous de l'année aussi, donc j'ai vraiment envie d'y aller. Alors, The Lost One's Weeping, c'est une très belle chanson, mais elle est très dure à chanter, donc je ne me risquerai pas de la chanter là. J'ai pas écrit de nouvelles chansons pour Alice pour le moment. Et au niveau des conseils pour les chanteurs débutants, je dirais que déjà la première étape c'est d'apprendre à aimer votre voix en fait, parce que si vous aimez pas votre voix vous allez pas l'utiliser franchement et après ben, ça fait un rendu bizarre. Donc déjà dans un premier temps apprendre à aimer sa voix, même avec ses défauts, je veux dire c'est normal au début, mais il faut déjà que vous vous habituiez à votre propre voix. Et l'étape d'après c'est de choisir bon, déjà des chansons que vous voulez chanter et de prendre du plaisir à chanter. Mais c'est vraiment de s'assumer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se retenir, sinon ça s'entend et c'est pareil, ça fait moche. Et essayer de choisir des chansons qui ne sont pas trop dures. Par exemple, Jitter Doll, il y a un an, j'aurais jamais pu la chanter, je pense. Ou même 2 ans. Prenez des chansons qui correspondent à votre voix aussi. Ça ne sert à rien de prendre des chansons très aiguës si vous avez... un rang vocal assez bas. Enfin moi personnellement voilà, j'opte pour des chansons plutôt calmes posées avec une voix grave comme The Weight of the World, je sais pas comment on dit, la chanson de Nier Automata. Et globalement je m'inscris plus dans ce registre là. Je pense à Poussée notamment, elle ça va être plus des chants aigus et aériens. Chacun a son propre style de chant et sa propre voix, donc faut juste
faire des contenus qui sont adaptés à sa voix. Tu peux pas tout chanter, tu n'arriveras jamais à tout chanter. Tu peux faire beaucoup de choses, mais tu pourras jamais tout faire. Et donc, faut apprivoiser et appréhender sa voix au maximum pour après pouvoir faire ce que tu veux avec. Alors, je continue de lire ce que vous m'écrivez. Alors par contre, celle-là, c'est une vieille chanson. Alors, je me souviens de l'air de la chanson, mais c'est vrai que ça remonte loin dans les souvenirs. C'est quoi l'application? Alors, je vais lire le commentaire pour que vous compreniez de quoi je parle. Au fait, il existe une entreprise qui fait une appli personnalisée aux artistes, et pour avoir la mienne, c'est super sympa comme moyen de communiquer avec sa communauté. Alors, je veux bien que tu me donnes le nom de l'appli, parce que ça m'intéresse d'aller jeter un œil. Hein. Il y a toujours, toujours des trucs intéressants. Les Morning Musume, t'es sûr que ça va pas être trop loli pour moi? Parce que, enfin, je me méfie, hein, je connais pas bien, mais... C'est moi, j'aime bien les voix badass un peu, tu vois. Vous me sortez plein de chansons que je connais pas, alors n'hésitez pas à les mettre dans le doc, hein, parce que même si je les chante pas, j'irai jeter un œil. Je peux chanter l'opening de Spice and Wolf, tout à fait. Alors... Tabi no Tochu... Si c'est celui-là dont tu parles, hein, j'espère. ただ一人迷い込む旅の中で心だけさまよって立ち尽くしたでも今は遠くまで歩き出せるそう君とこの道へ出会ってから旅人たちが歌う見知らぬ歌も懐かしく聞こえてくるよただ君といると夢見た世界がどこかにあるなら探しに行こうか風の向こうへいてつく夜明けの乾いた真昼の震える闇夜の果てを見に行こう。Vous voulez m'entendre chanter au loli? Je sais pas si vous voulez entendre ça. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé de faire une voix loli, hein. Je sais même pas ce que je peux chanter pour faire une voix loli. Bon, j'ai une autre idée de chanson que je peux chanter par contre. Alors attendez que je m'y retrouve. Pouf. Vous allez me dire si vous connaissez la chanson. Puis on verra après. Celle-là, je pense essayer de la faire en cover aussi, je suis pas sûre, mais je pense que ça irait pas trop mal. If anybody there, does anybody care what I'm feeling? I wanna disappear so nobody can hear me when I'm screaming. Cause I could use a hand sometimes. Yeah, cause you... I could use a hand sometimes. They said pain is an illusion. This is just a bruise and you are just confused. But I am only human. I could use a hand sometimes.
I'm only human. I am only human. The night is bitter cold. I wonder if you know that I'm sleepless. Waiting like a ghost. When I need you the most, I gotta notice. 'Cause I could use a hand sometimes. Yeah, I could use a hand sometimes. They said pain is an illusion. This is just a bruise and you are just confused. But I am only human. I could use a hand sometimes. I am only human. I am only human. Pour Japan Expo cette année, donc je disais juste avant, j'aimerais bien y aller. Enfin, chaque année j'y vais et je veux y aller. Donc c'est plus, est-ce que j'y vais soit genre deuxième partie du dimanche, deuxième partie du samedi et dimanche matin, soit les 4 jours. Ça dépendra de si je peux poser des congés, ça dépendra de voilà. Mais j'ai envie d'y aller en tout cas. Tu peux. Aiden, enfin vas-y, je vais le faire. On peut mettre le Discord, hein, y a pas de souci. Touk. Alors, je suppose que c'est le mien dont vous parliez. Hop. J'ai pas encore écouté la dernière chanson de Deco 27. Je. Non. Donc, je peux pas faire de réaction. Ah, en direct, tu voulais que j'aille la regarder. Ok. Non, je préfère aller l'écouter tout à l'heure posé. Ce sera plus simple. Tout, tout, tout. Et c'était bien ça, c'était Cruella avec Yeoman. J'aime beaucoup cette chanson, elle est vraiment cool et ça m'a défoulée. Bon, là, je peux pas crier encore une fois. Mais l'autre jour, je l'ai chanté en criant bien, ça m'a vraiment défoulée. Et c'était un code temporaire, donc voilà. Waiting like a ghost when I need you the most, I go unnoticed. Il y a une autre chanson de Cruella que j'essaye d'apprendre parce qu'il y a du rap dedans. Donc je me suis dit, il faut que j'essaye de faire du rap. Et en fait, j'y arrive pas. Donc si vous voulez, on va faire ensemble le rap pour essayer un peu. Parce que. En fait, le truc, c'est que ça va vite et c'est en anglais. Donc déjà, il faut que je l'apprenne doucement en anglais en prononçant bien et après que je l'apprenne plus vite. Mais non, c'est pas facile. Gonna make kiss on you follow me, call me. And moon found on drama, heart on my face, and you read my policy. Ouais, alors ça fait du yaourt. I do what I want, are you and my parents, but I think you got a formula. Ok. Stay in the corner. When I feel the good, when I feel the bad, feel it all. Got a human heart in my let that fly and fall. When I feel insane, I rap that pain, no doubt. Must spell it out. Don't tell me to calm down. I'm about to tear this fucking place down. Can't look like the way I let it go. Oh, don't tell me to calm down. Don't tell me to calm down. Voilà, j'ai essayé. C'est un peu le live du freestyle, hein. Donc si vous avez des questions, des trucs, j'y réponds. Si vous voulez que je chante un truc, j'essaye de le chanter. Bon, je suis plus là pour discuter que pour chanter, mais ce que vous voulez. Mais ouais, bon, le rap, c'est compliqué. Mais du coup, je cherche une chanson que j'aime bien. En plus, celle-là, elle est vraiment cool parce que du coup, il y a une partie rap et il y a une partie chant. Donc si je peux l'apprendre, ce serait cool. Mais il faut que je m'entraîne encore dessus.
Alors, sinon, il y a une cover, enfin, a priori, c'est la prochaine cover que je sors, donc je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Vous n'allez pas l'entendre parce qu'elle n'est pas encore mixée, mais j'ai un bout du dessin. Alors, sachant que ce que je vais vous montrer, c'est vraiment un gros plan d'un truc du dessin, mais voilà, l'écran est plus grand. C'est une version française que je dois sortir depuis, on va dire, des années. Donc cette fois je l'ai enregistré, j'espère que ça rendra bien, j'ai hâte de voir le mix et je vous mets ça je pense mi-septembre, fin septembre, comme ça, parce que j'aurai le mix vers mi-septembre. Donc voilà un peu ce que vous pourrez écouter chez Nigami Records, que j'ai déjà chanté en live, pour ceux qui étaient avec moi éventuellement live. Qui est une VF que j'avais écrite depuis très longtemps, qu'on m'avait demandé via DeviantArt, et j'avais trouvé la chanson jolie, du coup j'ai fait la VF et voilà. Donc bah, j'espère que vous l'aimerez et puis je vous dis à très bientôt pour cette cover. Ouh. Ça fait combien de temps qu'on est en live déjà? Un moment hein? Ah oui, 1h30. Bon, je connais pas Watercolor. Pareil, Cruella, c'est comme One Ok Rock, c'est des groupes que j'ai découvert il y a pas longtemps, que j'aime beaucoup, mais que je connais pas par cœur. Mais la chanson, la Calm Down, enfin, je sais jamais comment prononcer. Ça va, j'ai mon chéri qui m'aide à corriger mon accent quand je fais des trucs vraiment moches. Mais je pense que mon boulot va m'aider à progresser encore plus en anglais. Mais oui, ça fait un truc... Enfin, je vais vous la faire écouter, bah, tant que j'y suis, parce que c'est vrai que j'avais oublié que je pouvais vous faire écouter le truc. Donc, peut-être sur Spotify. Elle est pas facile à chanter, à rapper non plus. Voilà, donc si vous aimez bien l'électro, c'est un groupe que je vous conseille parce qu'il est vraiment vraiment sympa. Il y a des chansons plus chantées et d'autres un peu plus douées. Celle que j'ai chantée tout à l'heure, c'est celle-là. Et une chanson que vous avez peut-être entendue déjà à la radio de ce groupe, c'est enfin voilà, vous avez un petit... voilà un peu ce que j'écoute en ce moment, plus que du Vocaloid, c'est plutôt ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si c'est toujours les mêmes personnes. Alors oui, parce que du coup, j'ai... Aidan, ils mettent des chansons avec des titres en japonais. C'est pas grave. J'avoue que je commence à fatiguer. Je sais pas si... si vous voulez que je reste encore longtemps. Oh, thank you so much.
Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez que je reste encore. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'en profite en attendant de voir les questions pour vous rappeler que du coup, il reste que quelques exemplaires de... Alors attendez, il reste que quelques exemplaires de mon album en version Digipack, donc 7 plus exactement. Et que si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est un coffret carton avec deux, enfin il y a trois volets en tout, avec le livre, le livret avec les paroles, le CD, c'est dur hein, avec la caméra, et un petit renard là parce que c'est mignon. Derrière vous avez ça avec les titres des chansons. Et devant, vous avez le dessin. C'est mon exemplaire de démo que je mets en salon. Voilà. Donc, il m'en reste 7. C'est tout. Après, il n'y en aura plus. Après, c'est des éditions simples comme ça, que vous pouvez déjà aussi commander. Pouh, j'ai un coup de barre, là, je vous avoue. Faire ça après manger, c'était pas une bonne idée. Bon. Donc voilà. Et je remontre aussi ce magnifique cadeau que j'ai reçu ce matin de Shiroege. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Au début, parce qu'en fait, j'ai reçu l'enveloppe et en fait, elle avait été un peu déchirée. Du coup, la poste luxembourgeoise l'a remise sous un plastique en disant que c'était arrivé un peu déchiré. Mais bon, il n'y avait rien de déchiré à l'intérieur, c'est juste le haut. Et du coup, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est? Parce que le nom derrière, je ne le connaissais pas. Et du coup, voilà. C'était super cool. Que je vais accrocher du coup ben, où je peux, si ça tient. Mais j'étais très contente. Enfin, je fais un autre masque. Alors, j'ai appelé mon album Polymorphose parce que le kitsune, donc le renard a plein de queues là, lui, là, donc qui est mon OC, dans le folklore asiatique japonais, c'est une créature mythologique qui peut changer d'apparence, donc ce qu'on appelle du polymorphisme. Polymorphisme, c'est moche, donc moi je voulais un truc en ose, et il y a métamorphose aussi, on va dire que c'est une fusion des deux, du coup j'ai mélangé métamorphose et polymorphisme, et ça donne polymorphose. Que je trouvais plus joli, et comme c'est un mot qui n'existe pas, ben vous aurez moins de mal à retrouver de quoi je parle. En fait, quand on parle de polymorphose, a priori vous retrouverez tout de suite ce que c'est. Mais voilà, c'est dans mes bizarreries de créer des mots, et c'est le mélange de polymorphisme et de métamorphose. Où envoyer un fan art? Alors, si c'est un fan art, numérique, enfin du moins ou scanné ou un fichier sur l'ordinateur, tu peux me l'envoyer soit via la page Facebook. Donc pareil, je vais vous remettre les pages comme ça, ça ira mieux. Je vais remettre ça en attendant, ou même ça. Donc, alors. Ma page Facebook, la voici. Oups, ça n'a pas marché. Oups. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Donc, voilà. Je suis désolée si je phase un peu, je commence à être fatiguée. Donc vous avez la page Facebook si vous voulez m'envoyer des MP. Sinon sur Twitter, les DM ils sont ouverts aussi. Et sinon ma boîte mail. Donc sur le site, vous pouvez aller sur contact. C'est par là. Donc de ce point de vue-là, bye bye Aline, merci d'être venue. Et de ce point de vue-là, ben voilà, vous pouvez m'envoyer tous les trucs en version numérique que vous voulez. Pas de trucs bizarres, hein, mais voilà.
Et pour un courrier plus postal, bah, je ne donnerai pas mon adresse en public comme ça. Après, envoyez-moi un message privé et on regarde ce qu'on peut faire. Mais je ne la mettrai pas sur YouTube. Je vais mettre un peu de musique en fond en attendant, je vais remettre du One Ok Rock, comme ça vous pourrez me poser les questions si vous voulez. Alors le micro que j'utilise, c'est, ben, je vais vous le montrer si je peux, c'est un Rode NT1. En fait, tout mon matériel est noté dans le à propos de ma chaîne si vous voulez. Alors attendez, parce que bouger la caméra, j'ai un peu peur. Donc. Bon alors là, ça va vous faire bizarre parce qu'il y a la grosse boîte en mousse que j'ai autour, mais sinon. Donc, bon, vous ne voyez pas très bien. Attendez. Ah bah en plus, je suis bête parce que vous allez entendre le son. Enfin, voilà. Donc, tu as le micro derrière le Rode NT1. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc, il est plutôt très très cool comme micro. Et du coup, moi, j'ai cherché des tutos sur internet, enfin des tests. Pour le son, bon là je l'ai un peu bougé donc il est un peu en train de faire n'importe quoi, mais il montrait en fait ce principe de prendre les boîtes de rangement pliables et de mettre de la mousse acoustique dedans pour casser la réverbe, et ça marche plutôt bien, donc c'est cool. Voilà, sinon avant j'avais d'autres micros qui sont aussi listés dans le à propos de ma chaîne si vous voulez. Voilà. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que si j'ai pas de questions à la suite là, je vais fermer le live pour aujourd'hui. Et je vais baisser un peu la musique parce que ça me perturbe. Voilà. En fait, je la connais trop bien, donc du coup ça me perturbe parce que j'ai envie de la chanter en même temps. Ce que je voulais dire, oui donc, pour récapituler un peu avant de quitter du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, a priori non. Donc, je serai les prochains salons à Retro Made in Asia, donc à Namur en Belgique. Je serai à Game in Reims le mois d'après, donc en novembre. Donc ça c'est deux salons sur lesquels je serai exposante avec VoxWave. Donc, enfin, en fait je serai sur le stand VoxWave, je serai juste sur le stand avec, avec l'équipe, avec Geoffrey. Et bah, j'apporterai des CD du coup si vous voulez les CD.
Et mes goodies, d'ailleurs, bah oui, je vous ai pas montré les goodies si vous voulez. Attendez, je vais vous sortir ça. Hop là. Je vais vous montrer un petit peu ça. Ça fait pas mal de choses, donc... Bon, c'est déjà pas mal à montrer. Alors... Toc. Donc au niveau des goodies, ce que j'ai en fait, j'ai des trucs bizarres au-dessus de mes oreilles. Bon, au niveau des goodies en fait, donc ce que vous pourrez retrouver sur le Bandcamp, il n'y a pas que le CD, il y a aussi des petites choses. Donc je vais vous montrer ça. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Donc il y a le badge. Le badge. Allez, autofocus fonctionne. Fonctionne autofocus. Pourquoi tu veux pas fonctionner? Ça va être chiant. Tu. En plus je tremble, alors ça va pas l'aider. Voilà. Bref, le badge avec mon masque en fait. Plus ça. Est-ce que tu vas y arriver? Non, t'as pas envie. Ok. Donc c'est le badge avec mon masque. Il y a aussi le standy, donc je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est une figurine en fait 2D de 15 cm, donc ça se pose sur... J'en profite en tant qu'à faire, tant que je fais un live, autant vous montrer les choses directement. Donc voilà, c'est une petite figurine acrylique que vous pouvez poster. Donc pour montrer la taille, voilà, ça fait cette taille là à peu près. Et je pense pas qu'il va autofocus, mais non, il veut pas, il est au chômage, il fait grève. Donc voilà, donc ça c'est la petite figurine 2D. J'ai les cartes postales aussi, avec l'illustration de polymorphose. J'ai la même chose dans le poster A3, donc c'est deux feuilles blanches. Donc voilà. Je suis vraiment très très contente des cartes postales et de tous les goodies en général, ils ressortent vraiment très bien. J'ai la planche de stickers avec les illustrations de l'album en fait, les petits renards, le masque, l'herbe et puis le render de la pochette. Tout ça, ça a été fait chez Zap Creative et Mou, donc c'est vraiment des choses de qualité. Il ne faut pas avoir peur que ça s'arrache ou ça se casse ou des trucs comme ça. Et le petit porte-clés qui va encore pas focus. Si ? Non ? Non. Voilà, avec le petit chibi que vous avez peut-être déjà pu voir de Noriko. Donc il est recto verso le porte-clés. Oui, je fais ma marchande, hein. Je vous montre un peu ce que j'ai à vendre. En fait, c'est rigolo, mais le rôle de marchande, j'ai beaucoup aimé sur les salons et tout. Genre, t'as des trucs sur la table, les gens ils disent je veux ça, et tu leur vends le truc. Enfin, j'ai beaucoup aimé les interactions comme ça, c'était sympa. Il y a aussi d'autres trucs, genre le tote bag, le sac en tissu. Mais après, je vous laisse voir sur le Bandcamp, je vais vous remettre un lien dans le chat. Donc voilà pour les petits goodies. Donc le digipack est bientôt out of stock et le cristal arrive bientôt. Donc ça c'est bon. Les conventions j'ai dit. Qu'est-ce qu'il manque d'autre? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, les goodies bien sûr. C'est le lien que je vous ai donné juste au-dessus là sur Bandcamp. Il y a une partie boutique en fait et vous pouvez les acheter là-dessus. C'est pas que j'aime l'argent, je suis un kitsune et c'est un peu dans mes gènes de kitsune. non mais voilà, bah, par exemple la caméra du coup ça fait partie des choses que
que je peux payer avec, avec l'argent que je gagne en tant que TDK. Donc, c'est vrai que c'est un truc que j'aurais peut-être dû commencer par dire. La caméra fait partie des achats type équipement que je peux m'acheter en plus grâce justement aux ventes et aux choses comme ça. Les déplacements, ça en fait partie. Les droits d'auteur à payer, à titre d'info, par exemple, j'avais demandé pour faire une cover de Scissor Hands sur l'album donc Polymorphose, mais finalement, je ne l'ai pas mise. Mais ça me coûtait 100 € à peu près de pour avoir le droit de la chanter en version commerciale. Donc voilà, c'est tout cet argent généré avec TBK, ça me permet après de l'investir dans d'autres choses, ou même là, les réimpressions de CD Cristal, les frais SACEM qui vont avec, tout ça, c'est des choses que je peux payer avec l'argent qui est généré par les ventes des CD précédents. Donc voilà, c'est plutôt cool, parce que ça fait un cycle sympa, et puis voilà. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Oui, donc je le redis, maintenant j'habite donc au Luxembourg, je viendrai toujours sur certaines conventions, notamment Japan Expo, tout ça. Je vais essayer d'aller à la LGX, qui est la Luxembourg Game Experience, qu'il y a au Luxembourg en fait. L'avantage c'est que comme c'est un pays petit, vous pouvez aller partout en pas longtemps. Donc voilà, je vous tiens au courant pour les concerts, les prochains contenus, tout ça. J'ai un projet dont je suis très très contente qui devrait sortir courant septembre, j'espère, parce qu'il doit sortir depuis avril, mais il est un peu repoussé au fur et à mesure. Donc c'est un autre projet collaboration professionnelle, donc j'espère que ça vous plaira. Donc ce n'est pas du chant, je fais l'hôtesse, mais ça normalement ça va être cool. Et puis voilà. Que devrais-je dire de plus? À bientôt pour des covers et des vidéos. Je vais essayer de publier quand même pas tous les 6 mois. Objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et du coup, vous pourrez redécouvrir la caméra normalement dans les prochains covers. Donc je vais voir ce que je peux faire de ce côté-là. Et voilà. C'est quoi cette question? Aidan, j'en sais rien. Non, je sais pas. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Mais en tout cas, il y a plein de choses pratiques que j'ai découvertes ici et... Je ne vais pas me lancer dans le Luxembourg, c'est mieux que la France, parce que je ne suis pas partie au Luxembourg parce que c'est mieux que la France, je suis partie au Luxembourg parce que j'avais d'autres opportunités là-bas. Mais voilà. C'est plus facile de gérer un pays petit comme le Luxembourg par rapport à un grand pays comme la France. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui, je pense, sont applicables en France pour que ça aille mieux. Enfin bon, c'est tout, c'est la vie. Voilà, donc à plus tard voilà, j'espère que vous aurez aimé le live et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser en commentaire, j'y répondrai à posteriori. Et puis n'hésitez pas à m'écrire, à aller sur le Discord, à envoyer des mails, à envoyer des choses, n'importe, des questions, tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Salut.